bonjour, je suis Natacha de l'association Un déchet par jour. Aujourd'hui, nous sommes là pour le Energy Green Life. C'est pour la deuxième édition que nous sommes là, en partenariat du coup avec la radio. Ensemble, nous avons imaginé ce concept et Energy l'a fait et on est très heureux de pouvoir participer et sensibiliser tous les citoyens pour le Working Up Day sur le ramassage des déchets et la conséquence des déchets urbains qu'il peut y avoir dans la ville de Marseille et le pays d'Aix. Aujourd'hui, du coup, on est là pour le Energy Green Life, c'est-à-dire qui soutient le Working Up Day. Et nous, le BABA, donc l'association des étudiants aixois, on est là du coup pour soutenir en montrant le fact des étudiants, la toute des étudiants, le World Clean Up Day. Donc nous, on est Ferryboat Atelier, une agence de communication éco-responsable. Et l'année dernière, dans le cadre du Energy Green Life, on avait créé la fresque en déchets que vous voyez là. Alors vous pouvez tous adhérer à Un déchet par jour sur le site internet undéchetparjour.com et aussi faire partie de l'équipe Un déchet par jour, donc la team, où ici nous avons Sarah, Jérôme, Marie, David qui est ici, qui est complètement fou. Et voilà, on a participé à cette journée, c'était top, franchement, super bonne énergie. Il y a eu, je crois, plus de 600 ou 700 kilos de déchets ramassés, donc génial, pouvoir contribuer un petit peu à nettoyer une plage, on a trop profité, quoi, c'était cool. Des cosmétiques Madi sont fabriqués et développés dans notre laboratoire qu'on a créé à Marseille. L'idée, c'est d'avoir une crème visage à personnaliser selon son type de peau pour faciliter la skincare de tous les jours. On apprend aux gens à fabriquer aussi leurs propres produits naturels, produits zéro déchet, cosmétiques ou pour la salle de bain. Où sont les mains ? Chicago, we work it, we work it, we work it. Est-ce que tu es prêt, l'arena ? Alors évidemment, aujourd'hui c'est un événement spécial, hein. Donc le Energy Green Live, donc c'est gentil qu'ils aient fait appel à moi, je suis très content, ça responsabilise tout le monde. Oh, bah, les messages y passent par ce genre d'événement. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on est obligé de faire appel à des associations pour que les gens ramassent par terre. Alors il y a des gens évidemment qui sont là, qui ramassent, mais qui n'ont pas eux jeté les choses, etc. Mais je trouve qu'en France, on manque un peu de civisme, de plus en plus. Alors dans Paris, je vois les gens qui ont des animaux, etc., qui ramassent. Surtout moi, j'habite au centre de Paris, ce qui se faisait un peu moins avant, donc il y a quand même de la responsabilité. Mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de civisme qu'avant. Donc il faudrait qu'on retrouve un peu ça. Bon, sans vous juger les amis, hein, les Français, voilà. Déjà, quand vous fumez, arrêtez de jeter vos mégots par terre, s'il vous plaît, merci. Et ensuite, voilà, ne jetez pas vos papiers, il y a des gens qui les ramassent, mais ce ne sont pas vos employés. Merci.